hein. Le rire d'Amanda, quoi. Miaou. Oui, mais c'est le rire, peut-être, quand on... j'ai montré, tu sais, le droit des visites, là. On était tous morts de rire. Hein. Tu sais, quand le mec dit « Ah, Darfou, là, ou je sais pas quoi, là. » T'en rappelles de lui, là ? Tu vas en jeu, hein. Super. J'espère pas te ramasser, hein, Riton. Du riz avec du thon. Bah, c'est comme ça qu'il veut que je l'appelle, écoute. Attends, c'est ça que je voulais faire. Attendez, pouce. Je me gare. C'est ça que je voulais faire. Non, mais t'aurais pu mieux te garer, on est devant un commissariat quand même, quoi. Attends deux secondes. Attends, Riton. Comment je l'ai appelé ? Attends, je me gare correctement, je vais me faire taper sur les doigts. C'est bien comme ça, non ? Attends, j'ai envie de le renommer. Est-ce que je l'ai fait, la blague ? Riton. Tony. Attends, non, je pense qu'il y a un meilleur contact. Riton. Là, on est bien. Là, les gars, je valide ce contact. Riton. Là, on est bien. Moi, je trouve que ça lui va à ravir, mon vieux. Tu m'as vraiment fait ça ? De quoi ? Oui, j'ai fait ça. VSAV, oh là là. Ça va, il a fini sur les roues. Tranquille. Merde, les phares. Ouais, je pense qu'il va tellement vite que le bas de caisse, il était écrasé au sol, le mec. Bah, allez, bonjour à toi. Et peut-être à tout à l'heure. Non, je déconne. Normalement, à 20h, je suis plus là. Oh ben... Ah putain. Oh Raton. Oh je jure pour qu'on y aille. Mais dans tous les cas on n'a pas le choix. Ah il est où, on y va? Il est mort à ma maison en plus. Ah tu le connais? Mais oui, c'est Riton sur le chat qui vient juste de partir. Il m'a dit, je vais pas tomber coma. Ah PTDR. Et dans une maison ou... Mais il doit peut-être dans ma baraque. On va peut-être avoir besoin de VPS. 21 minutes. Ah, mes oreilles. On n'a pas cru qu'on l'aurait fait quand même, hein. Ah oh bah j'ai la police. Fin du fun. Mais GG. Officiellement le nouveau record. Attention il est mort à l'ATM. Riton dans toute sa splendeur. Mais comment il est mort, je le vois accroupi. Pardon. On est d'accord, il a accroupi. Ah moi il est un peu en PLS là. Hein. Bah monsieur Riton alors. Il regarde le ciel en plus. Oui. Ah attendez hein. Comment il est mort là. Mais putain comment il a fait. Voilà. Du coup, c'est officiellement le nouveau record de la chaîne. Le plus long live d'affilée. En une fois, c'est officiellement le nouveau record de la chaîne. Bonjour, monsieur. Aïe. Bonjour. Laisse-moi mettre à terre, s'il vous plaît. Aïe. Va falloir vous expliquer comment est-ce qu'il s'est passé. Hein. Je marchais et le caillou partir m'a fait que, en fait, j'ai mangé l'ATM en pleine face. Ça marche. Bon. Demandez comment vous appelez. Je m'appelle Monsieur Tony Raton. Tiens donc.
Tiens, 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 bizarrement, hein. Vous avez quel âge? Toujours 25 ans. 25 ans, quel poids et quelle taille? Je pense 1m95, 75 kilos, c'est bien ça? C'est bien, c'est que je m'en rappelle, t'as vu, j'ai bien mémorisé, hein. C'est pratique. Vous avez des douleurs où, monsieur Raton? Ah, j'ai une forte douleur incroyable à la tête. À la tête, sur une échelle de 1 à 10? Je dirais un bon 7. 7, très bien, est-ce que vous avez d'autres douleurs? Je me suis fait très mal à la jambe, j'ai l'impression que je me suis tordu la cheville. À niveau de la jambe, je dirais un bon 8, c'est insoutenable. Alors, non, mais c'est pas pour moi! Pour ça, vous les récupérez. Pardon, tenez. Et. Waouh, c'est horrible. Donc, au niveau de la jambe, laquelle, pardon? Jambe gauche, jambe gauche. Jambe gauche, sur une échelle de 2 à 10. Comment? Sur une échelle de 2 à 10, pareil. 7. 7 aussi, très bien. Oui. Non, c'est bien, c'est que je me rappelle d'une phrase il y a 10 minutes, top chrono. Alors, est-ce que vous avez d'autres douleurs à me dire, monsieur Raton? Là, j'ai mal au dos, fortement mal au dos aussi. Ah, le petit dos, ouais. Vu la position que vous aviez. Si je pourrais retirer ma pioche parce que c'est assez lourd. Allez, je vous aide à ranger tout seul, même vous enlevez votre sac, comme ça sera plus léger. Hop. C'est bon, hop là. Hop. J'ai dit que je vous enlève aussi votre sac, hein, si jamais. Hein. Hop là. Comme ça vous allègera le dos. Nickel, voilà, comme ça, le musclé Raton se sentira un peu plus léger. Sur une échelle à 10 au niveau du dos? Je dirais 4. 4. Les gars, j'annonce que sur TikTok, enfin sur YouTube, je sors cet extrait de Raton qui dit qu'il va pas mourir ce soir et maintenant. Très bien, est-ce que vous avez d'autres douleurs à me dire? Il est mort sur un ATM! La douleur à la tête qui est insoutenable. Ouais, ça marche. Là, j'ai pas pour donner également grand chose parce que je suis pas du SAMU, d'accord, monsieur? Mais j'ai l'impression que je chaîne un peu au niveau de la tête. Ah! Attendez, ça je vais regarder par contre. Je vous ai aidé à enlever la casquette pour voir en tout. Ouh là là! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça là? Oui, il y a la calvitie qui commence à arriver. C'est bon, hein, je suis tard. Oui, alors non, je parlais surtout du sang qui a au-dessus. Calvitie, je m'en fous un petit peu. Je vais vous désinfecter ça et vous mettre un petit bandage de tête. Hop! J'espère qu'il pique pas. Hein. Non, vous inquiétez pas. C'est anti-pic-pic. C'est juste un petit peu froid, mais ça va, c'est un détail. Peut-être ça va piquer un petit peu, mais c'est parce que c'est froid, vous inquiétez pas, c'est pas par rapport à que ça pique. Ok. Allez, hop, je vais mettre le bandage de tête pour calmer la douleur. Hop. Ah. Allez, monsieur Raton, vous allez y arriver, on prend vous. Wait. Je le vois pas. Il est par terre, là, vous voyez pas? Non. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un retour CSP afin de vous réaffecter en BSAV 02 et prendre des balles au niveau de l'arrière de l'auto-école de Le Mans? Vous le voyez pas? Vous voulez que je vous le repose? Ah oui, c'est possible. Moi, j'arrive même plus à l'avoir non plus. Ah, bon, au pire, vous m'avez mis au niveau de la tête. Attendez, y'a rien par terre à part à ça? Bah, ah non, y'a votre sac. Attendez. Et c'est pas le sac où on peut pas le récupérer au sol. Ouais, bon, très bien. On dira qu'on vous l'a mis, hein, d'accord? C'est bon, oui, on va rester à terre. Au niveau de la tête. Parce que je sais pas pourquoi il veut pas être mis, il a un peu de tête de mule. Très bien. Du coup, je vais faire une palpation de sécurité sur le reste de votre corps, d'accord? Transmettez à ce d'accord. Si je vous touche au niveau du bras droit. En transport, n'hésitez pas, vous pouvez prendre. Ah, mais il peut tenter de contacter M. Patouski, je pense qu'il sera important de le savoir. Normalement, il y a mon Bébouchka qui est compté aussi. Y'a qui? Mon Bébouchka. Mon Bébouchka, oula. Je sais pas, tu dors, je pense qu'il est présent. Moi. Ça sent la bêtise, hein. Moi je vais me concentrer à la pilote. Non, mais dites-moi, c'est qui? Je vais vous dire s'il est là. Bébouchka ou je sais pas quoi. Bébou. Attendez. Eh, Bébouchka, le truc c'est Bébouchka. Oui. Monsieur Riton, un peu de calme dans le brancard, oui, s'il vous plaît. Moi, je me rappellerai juste de la phrase de « il va rien se passer hein. ». Au niveau de la série de la Trinité, vous avez personne? Même pas 10 minutes. Ok, j'avais une balise il y a quelques minutes encore, mais écoutez, tant pis pour lui. Désolé pour vous. En attente. Au revoir. Transmettez. C'est un certain taxi, je te rappelle à l'époque. Ah ouais. Hein? Non, vous dormez dans le brancard. Enfin non, dormez pas du coup, parlez avec ma collègue. Ah bah si je veux dormir, je peux dormir. Non, non, monsieur Raton, vous restez là. On est bientôt arrivé, d'accord? Mais j'aime bien quand les ragots. Entendre les ragots?
Pourquoi j'entends d'un coup les deux tons hyper forts, wesh? Ouais, ils m'ont pété les oreilles, là. Ouais, pareil. Mais wesh, pourquoi ils gueulent les deux tons, là? Ok, non, c'est bon. Rien. Ouais. Je crois qu'on a un raton, il nous contrôle carrément les deux tons le son, carrément. Par contre, monsieur Raton, je tiens à dire que vous étiez dans une magnifique position sur la TM. C'est vrai. Je pense que c'était compliqué, je pense, d'appuyer sur les touches pour pas taper votre cote. Hein. Je vous entends très faiblement, monsieur. N'inquiétez pas, je suis le conducteur, pas là, ma collègue. Monsieur comment? Monsieur Ski. Il a pas dit monsieur Ski quand même. Si. Oui, mais pas tous les skis. Hein. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Moi, je pense que monsieur Raton, il va recevoir une photo sur Radio D, il va rigoler. Hein. Avec tout mon respect, bien évidemment. Je pense pas, c'est un dossier privé, monsieur Ski. Je pense que vraiment. Je pense que je dois dire une phrase typique 10 minutes après. À peu près, c'est. Je dirais ça à peu près, entre vous et moi. Hein. Vraiment 10 minutes top chrono. Non, mais je sais ce que je vais faire, j'ai une idée. Non. Si, bah si, fortement là. Ça durera 10 minutes, c'est parfait, c'est rapide à faire. C'est du bonus, c'est merveilleux. Ah, M. Raton, on arrive à destination. Ah, je pensais qu'il y avait la caméra de recul. Ah, bah non, pas besoin de la caméra de recul, vous savez. Ah, oui, je sais pour où est la caméra de recul. Ouais, allez, mais vous savez quoi? On va y aller en marche arrière, voilà. Ah là, allez. Allez. Allez, bip, 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 bip. Moi, je pose plus de questions maintenant. Bip, bip. Hop là. Ah, ah, ah. C'est un peu Cérax. Bon, pas en marche avant, mais faut pas déconner quand même. Ah. Bon, bah, je suis encore le bip, 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 bip. Amanda, tu te mets à la réception, s'il te plaît? Je peux pas. Ah, bah c'est pas grave, je me dis pas avec le médecin. Allez, allez, du médecin au niveau de votre tête, ainsi que la fermière claque et au niveau de la réception, on va vous mettre sur le lit situé à votre droite pour lever, lever. Et pour poser, poser. Je vous laisse poser tous les équipements que je vous ai posés, je vous mets ceux-là à l'hôpital et je vais les récupérer dans deux petites minutes, ça marche? Commencez pas à courir partout, monsieur Riton, évitez de tomber contre un ATM, ça serait dommage. c'est pas gentil. Mais si, vous inquiétez pas. Franchement. La phrase typique, il va rien se passer, 10 minutes plus tard. T'es... Moi, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Attends, faut que je rentre son sac aussi. Non, ah. Je l'ai mon sac, mais il y a le collectivité. Ah, mais d'accord, il a récupéré son sac en fait. Mais... Allez, monsieur Riton. Monsieur Riton, évidemment. Je vous souhaite un bon rétablissement et puis un bon courage, évitez de retomber, hein. Ça m'a fait plaisir de venir vous aider. Allez, bon courage. Hein. Il y a pas... Votre collier cervical, il est par terre. Ah, il n'a pas été récupéré? Non. Ah, je crois que ma collègue avait récupéré. Elle a récupéré le pansement au moins ou pas? Non, j'ai rien récup. Ok, merci de la réponse. Alors, est-ce que je vais réussir? Ah, Pokchamp. Ok, j'ai un truc là. Ah, mais non, mais oui, mais l'autre était là-bas. Hop. Le pansement, non, il... Oui, non, mais vous inquiétez pas. Hop, je vous remets le pansement de l'hôpital. Le collier cervical et on y va. Allez, merci bon beaucoup. Courage monsieur Riton et faites attention hein. Joli collier, merci, au revoir. Allez, attention, oui, joli très joli collier. Allez, attention aux ATM. Hashtag, il va falloir mettre un panneau danger ATM je pense. Je vais pas avoir un psychologue, je vais faire des ATM. Ah, il veut un psychologue. Est-ce que mon muscle NVIDIA ne marche pas quoi, truc. Comment ça t'es coincé? Peux pas arrêter de courir. Appuie sur muscle Z. Muscle Z, Amanda. Mais j'arrête pas. Monte dans le VSAV. Ah non, tu vas à droite, va à droite. En fait, t'es allé à droite. Après, Riton qui tombe coma 3 minutes après, j'ai Amanda qui n'arrête pas d'aller à droite. Oh putain. Oh l'équipe de bras cassés. Allez, ça me fait plaisir d'être resté presque 30 heures en live pour ça. Hein. J'ai deux dégâts. Ah ouais, carrément. Ça fait 30 heures, j'ai passé des phases dures pour voir ça. Ah c'est bon, là je pourrais faire 10 heures de plus. Hein. On part sur 45 heures les gars ou quoi là? C'est que... Oh peut-être pas, je vais quand même aller dormir quand même. Hein. Oui parce que ta santé avant tout, hein. N'oublie pas. Hein. Mais oui t'inquiète. Oh, je oh bah tiens, ça me fera plaisir de te laisser conduire pour une fois, tu sais quoi. Moi j'aime bien prendre le volant. Mais putain. Qu'est-ce qui se passe? Mais Amanda continue toujours d'aller à droite.
Oh, j'en peux plus. Oh, mais les gars, je vais faire un AVC, il se passe trop de trucs là. J'ai Amanda qui me tourne autour à droite, j'ai toi qui casse 56 fois. Prends Ah, pardon, Riton, je te rappelle, j'ai un appel. 90, 90. Vas-y, vas-y. Ah, j'arrive. Transmettez. On vient d'avoir le dépanneur qui s'est envolé avec le Oula. Camion du monsieur. J'ai l'impression qu'il est détruit, mais le dépanneur va bien en route en cours. Ouais, si vous avez besoin qu'on voit quelqu'un sur place. Oui. Ça va ? Oui, vous inquiétez pas, ma collègue va bien. Un mec qui est là, t'as un mandat qui va à droite tout le temps. Ah, non, mec, tu fais quoi devant un mandat? T'as changé? Non, regarde. Ah, c'est bon. Ah, ça y est. Ah, putain, ah, c'était bloqué. Vous êtes où, là? On est au stade Trinité, on a toujours pas bougé depuis le temps. Ah, le stade, merde. Oh, ils ont bougé mon véhicule. Tony, je suis là. Je sais pas si j'ai mon permis de conduire et compagnie. Je vais t'envoyer en civil. Oui, j'aimerais ça, m'engueulez pas. Je suis en train de montrer la colline là. Là, je vois ton point d'épée sur la carte. T'es où? Je te vois pas. Ah, j'arrive, tu vas me voir dans 3 secondes. 3, 2, 1, derrière toi. Oh, je te vois. Eh oui, c'est là. C'est mon collègue en face, c'est mon bébou. Oh là là là. Oh, hello! Mon dieu. C'est quoi ces règles que t'as sur ton torse? C'était quoi cette couleur de cheveux? Ouais, c'est ce que j'avais. Eh, vous avez quoi à triquiter déjà? Vous commencez déjà à me saouler la triquiter déjà. Je ne veux pas de commentaires, faites votre travail, allez là-bas. Je veux parler à mon collègue en tête. Actuellement, on est en train de faire notre travail, on s'est coupé. La zone marge, je l'ai coupé. On en parle qui chôme actuellement? Monsieur le propriétaire, vous êtes appelé à ouvrir votre véhicule. Ah, bah tiens, Anthony, faut y aller. Oui, bonjour monsieur. La facture, c'est pour moi. C'est pour vous la facture? Oui, alors, c'est moi qui paye la facture, c'est au 23. Combien, pardon? 23 la facture. 23, ok. Oui, vu son talent de pilotage, je pense que c'est mieux que c'est moi qui paye la facture, parce qu'il va en avoir 10 à peu près des factures. Ah. Vous pouvez pas être notre DP attitré, parce que je pense que. Dans 5 minutes chrono, on vous rappelle. Hein. Si vous voulez, je peux faire ça. C'est plutôt calme, alors du coup, Ah, bah parfait, bah alors nickel, pas besoin d'être. Mais gardez toujours un dépanneur à proximité de là où on est, comme ça, optimisation d'inter et tout. Ah non, et j'ai cru que vous allez te foutre une feinte. Pour moi, s'il doit te transporter, je me marre de rire. Non, arrête, attends. Après, il n'y a pas de sapeur-pompier, donc ils ne sont pas loin. Faut qu'ils connaissent. T'es quoi, attends, je vais faire mon sapeur-pompier. Bonjour, je suis sapeur-pompier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est pour mon collègue, il a ses règles. Non, c'est juste qu'en gros, j'ai eu un petit accident. Et donc, du coup, je compresse depuis tout à l'heure là. Allez-y, au niveau de la tête, en fait, je saigne beaucoup. En fait, mon pansement, il s'est enlevé. Donc, du coup, je saigne beaucoup au niveau de la tête et du coup, le saignement coule du coup. Ok. Venez avec moi. Je vais avec vous. Ah, je vous suis parce que je suis un peu sapeur-pompier à m'étant perdu, donc si jamais t'as besoin d'un coup de main. Je me monte sur le brancard ou pas, monsieur? Oui, montez dedans. Alors je pense pas que... Bon, pire, voilà. Si tu peux. Attendez. Voilà. Là tu peux. Non, tu peux décharger. Schnell. Bonjour si tu peux. Attendez. Bon, pire, décharger le brancard et puis c'est plus simple. Hein. Ouais. Attention, reculez-vous par contre, il te prend un coup de brancard. Allez, Raton, je t'aide à monter sur un brancard. Allez, hop, c'est parti. C'est bien, t'es monté il y a 20 minutes sur mon brancard tout à l'heure, SP. Faut peut-être le déverrouiller, je pense. Ouais, faut désengler votre brancard, monsieur. Ouais. Voilà, nickel. Ouais. Allez, nickel. Vous pouvez vous l'arranger. Allez. Bon, je vous aide si jamais vous avez besoin. Je suis sapeur-pompier à mes temps perdus. Ok, ça va. Si jamais. Donc, vous avez mal au niveau de la tête, c'est ça? Oui, au niveau de la tête. En fait, c'est juste mon pansement, en fait, il s'est enlevé. Ah, ok. Parce que c'est une blessure récente, donc je pourrais pas forcément. Alors, à date, il y a 25 minutes précisément. À peu près, pour vous dire. Ah. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons transporté avant que je prenne ma fin de service. Si jamais. Bon, bah déjà, alors, en descendant médical, ça, je peux répondre. Après, il y a aussi hier où il a été pris en charge aussi. Mais putain. En fait, c'est mon médecin personnel, en fait. Je te jure. Pardon, je dérange pas, je vais continuer. Ouais, 30 heures. 30 heures, enfin, ouais. Presque sans pause. J'ai fait quoi? 5 minutes de pause. Après, à part les pauses, le truc, mais en soit, j'ai fait une petite pause à 3 minutes. Le ventre, il a pris beaucoup au niveau du ventre. Hein. Là, attention. On va faire par contre, ses pieds que t'as. Oh là là. Là, vous avez mal quand je touche. La gueule des pieds Minecraft, hein. Pas mal. Non, ça va. On va faire au niveau du bassin. T'as perdu 10 cm en tout temps. Tony Raton, c'est ça. Tony Raton. Raton. Rate.
25 ans, 1m95, 75 kg. Excusez-moi, je l'ai pris tout à l'heure en tant que pompier, donc je suis désolé, hein, je préfère préciser, ne vous inquiétez pas. Il peut même lui vous le confirmer, donc bon. Oui, oui. Et vous n'étiez pas ce matin en codice, vous? Ce matin, si. Ouais, il me semblait bien. Non, j'ai toujours mal à la tête au pire. Il mettait bien, pansement de tête. Ouais. Non, mais frère, je le revois 20 minutes plus tard dans un autre ambulance. Encore. Merci, oui, monsieur. Il aura fait la totale. Hein. Mais frère, je connais presque ton bilan par cœur. T'es la première personne que je connais par cœur. Ah bon, moi ça me rassure. Tony Ratton, 25 ans, 1m95, 75 kg. Hein. Et je l'ai entendu 4 fois son bilan en 2 jours, entre hier et aujourd'hui. C'est pas vrai. Je sais pas comment je vois pas. Si, c'est vrai, hélas. Mon cher Tony, allez, c'est un peu vrai. Hein. T'étais pas là cet après-midi, boss? Merde, mais faut pas que je fasse une photo, faut que je fasse une capture d'écran. Mais si j'étais là quand Foxy s'est a pété avec la mire. Je t'en vais pas. Oui, oh la balise, c'est mon meilleur pote qui vient de faire une balise, j'adore. Je vais presque aller voir ça dessus. Putain, c'est un XSP ça. Ouais. Mais il y a très très longtemps. Bah tiens donc, il aura pas fait longtemps pour que monsieur Ratton il fasse une balise, hein. Eh, monsieur Ratton il fait aucun effort, hein. Du coup je vais aller sur place avec le VSAV. Je vais le laisser faire les bilans et tout, vu que moi je peux appeler. Et je vais aller faire un tour. Juste parce que c'est lui, hein. Et c'est bien, c'est qu'il était avec une soirée avec Nedelec, bah il a réussi à faire tomber Nedelec aussi. Putain, comment ils ont fait leur con, quoi. Mais c'est 0-1 de Cody. Oui. Transmettez. Je vous laisserai partir au niveau de la balise de monsieur Tony Ratton, s'il vous plaît, pour une balise pour plus info. Il y aurait apparemment une explosion. Allez, c'est suivi, ça faisait vraiment prendre départ. Oui, en plus, j'en suis de lui. J'adore ma vie. Je suis content d'être en VSAV. Oh, ma surprise de Tony. Oh, les gars, ils savent comment me faire plaisir, VSAV. Ah, en plus, je suis sur Tony. Comment on se revoit, Tony? J'adore ma vie, putain. Oh, les gars, je suis refait. Vous voyez que j'ai bien fait d'aller en VSAV. Et toc. Décidément, en fait, je vais m'occuper tous les jours de lui. En fait, tous les jours, il va tomber coma, lui. Le grand quart, faire un petit balisage autant que t'arrives, parce qu'il y a deux balises. Voilà, bonjour, monsieur. Fait ton balisage. Bah, c'est un individu qui est très malin. J'ai vu qu'il avait rentré son auto là dans la porte. Son auto dans la porte? Oui, il y avait une voiture, elle était coincée entre la porte là. Je vous écoute, sergent. D'accord, c'est suivi. Je pense qu'on peut-être l'emmener à la rivière, il a l'air un peu suicidaire. C'est bien suivi. Suivi, suivi. Mais bonne journée, excellente journée à vous, monsieur. Yes. Si je ressens quand même une forte douleur au dos. En fait, ça fait, vous voulez rigoler, mais ça fait 3 jours où j'ai que des accidents. Donc en fait, j'enchaîne blessure sur blessure sur blessure. Je confirme le fait, hein. Ça fait 3 fois parce que je comprends la personne. Je m'appelle monsieur Tony Ratton. D'accord. 1m95, 75 kg. Tac. Ok. J'ai 25 ans. 25. Quand votre... Je fais 1m95 et je fais 75 kg. 75 kg, sinon 5 kg. Nickel, merci. Ça sera toujours plus. Si, il descend aussi. Hop, allez, ouais. Vas-y, fais ton bilan, je me le mets. Mon collègue. Il est où, mon collègue? Que dis-je, mais ça fait 0-1 pour bilan. Je suis vraiment ton médecin traitant, toi, en fait. Hein. En présence, ton, ou ton pompier traitant. Douleur au niveau de la tête 10 sur 10, collé cervical placé. Douleur au niveau des deux bras 8 sur 10. Non, mais entre hier et ça, franchement. 8 sur 10. C'est 2 6. Le 17, le 18, le 19. 4 sur 10. Et encore, je mets pas le l'USM hier soir. Transporté à la pesanie 2 fois durant les dernières 40. Parce que sinon, ça te ferait 2 au même jour. Monsieur se plaint de vertige, maux de tête, envie de vomir. Monsieur a consommé de l'alcool. Bon, donc en même temps, on se revoit demain? Hein? Ça devient, ça commence à devenir une question, vous savez. Alors, une fois moi, une fois les un USM hier, avant-hier je vous ai pris aussi une fois. Mais j'en ai marre, c'est horrible. Encore ce soir, bon, c'est pas moi qui vous gère totalement, mais bon, je suis encore là, donc bon. Je suis vraiment votre pompier traitant, quoi, en fait.
Non, c'est maintenant, c'est le sergent maintenant, pompier tout le monde. Allez, bah ça marche. Du coup, c'est avec la demande de collègue du personnel d'hôpital, on replace celui à votre gauche, à votre droite, pardon, excusez-moi, j'ai un problème avec ma droite et ma gauche. Y'a pas de problème. La tête au pied, tout prêt. Je suis prêt pour lever. Prêt pour lever, lever. Hop. Décalé, poser, poser. Nickel, je fais tranquille avec le brancard. Yes, t'inquiète. Hop là. Voilà. T'as un problème, je vois plus le collier. Il est sous le truc. Non. Bon, ça a disparu. Non. Non. Je vois pas moi. Il est où? Il est passé où le collier? Vous avez déjeuné notre collier carrément. Entre hier le bandage de tête, aujourd'hui ça, décidément. Allez, allez, allez. Comment ça peut expliquer ça? Non, je crois qu'il a juste disparu, hein. Quand même, hein, niveau ça, vous êtes obligé de le redonner. Je fais juste la précision, mais... Bah mais c'est pas que je veux pas vous le redonner, hein. Non, non, mais j'ai pas le contraire non plus, vous voyez. Ah, j'ai. Ah. J'ai pas où il était, mais j'ai. Ouais, t'es bien planqué, dis donc. Allez, nickel. Bon, voilà. Bon, allez, bon rétablissement, monsieur Ratton. Bon rétablissement à vous, à la prochaine fois, hein. Au revoir, et bon courage à vous. Allez, bon courage, hein. Et à tout à l'heure, hein. Ouais, je crois... La chaise était bizarre. Bien. Ah là, attends dans toute sa splendeur. Hein. Ouais, d'accord, c'est toi qui prends la radio du coup. Hein.